C'est bon, on est bien. Non, par contre le générique non. Hop, voilà. Ok, le live vient de commencer les gars. Est-ce que vous m'entendez bien? Yo Fei Rune, toujours le premier dis donc hein, ça change pas. Salut Sunlight, salut Sandrine, Alves, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que le live marche bien? J'ai que des questions. Yo à tous, salut à tous les gars, salut Yums, Yums. Est-ce que le chat vous allez bien pour ce chapitre 8 de ce Let's Play sur Inazuma Eleven Go Chronostone Brasier? On change pas les classiques. Incroyable la vidéo sur Fei. Et oui les gars, elle est enfin sortie. Bah, pour ceux qui savent pas, elle est enfin disponible sur la chaîne YouTube. Normalement je devais la sortir plus tôt, mais bon j'ai eu pas mal de retard, etc. En plus de ça, YouTube m'a bloqué la vidéo pendant un petit moment. D'ailleurs il y en a qui ont reçu la notif et qui m'ont dit: Rems, j'ai pas pu accéder à la vidéo, je sais pas pourquoi elle était en privé. Bah en fait c'est YouTube qui a bugué, donc j'étais un peu dégoûté. Parce qu'en plus de ça, à cause de ça, bah la vidéo elle s'est un peu mal lancée au début, au démarrage. En tout cas pas comme je l'avais espéré. Du coup pour ceux qui l'ont pas vu, eh ben, elle est disponible. Et sachez qu'elle est vraiment bien. Je suis vraiment fier de moi pour une fois. De ce que j'ai fait, je suis vraiment fier. Et du coup n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo de présentation de Fei Rune. Du coup voilà les gars, incroyable la vidéo, c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de temps les gars. Vraiment, salut à tous, salut Blue Todd. Salut mes frères Eddy. D'ailleurs les gars, la vidéo sur l'annonce là qui a été faite par, par Level 5, j'y ai réagi aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Demain il y a une vidéo qui sort sur la chaîne où vous verrez ma réaction en direct, je découvrirai un petit peu la vidéo, toutes les nouveautés je les découvrirai en même temps que vous. Donc vous verrez demain les gars ma réaction. Et après j'ai un petit peu parlé, j'ai donné mon avis. Demain 17h normalement. C'est la première fois que je suis là. Et bah écoute, t'es là au bon moment. Yo bien ou quoi, salut à tous les gars. Demain quelle heure? 17h les gars. Bon allez. Chapitre 7, non chapitre 8. Chapitre 7 ou chapitre 8? Vu qu'on fait un chapitre par live normalement c'est chapitre 8 hein. La vidéo avec Alexa de la semaine pro. Président Totsvox, ça commence direct. Nous avons sous-estimé Raymond. Conseiller Guile. Vous entendez bien? Il est grand temps de réagir. J'ai peut-être une solution. Poursuivez. Voici l'équipe excellente. Des joueurs absolument. Ah oui, eux. C'est vrai. Arex, le moment est venu. Ta mission peut commencer. Compris, nous allons accomplir notre mission conformément au plan 13. Oh, il va me casser les couilles, lui. Oh, il va me faire chier. C'est le meilleur chapitre, je trouve. Et d'ailleurs, les gars, par rapport à ce chapitre, la dernière fois qu'on était en live, vous m'avez été très nombreux à me dire « Ouais, tu vas galérer contre l'équipe, tu verras, ils sont trop forts et tout. » On verra. Oh, c'est vrai, nous avons battu Zanark Domination, mais ni le football ni le coach Evans n'auraient apparu à notre époque. Déjà 2 mois que t'as commencé le let's play. Bah ouais, on fait un chapitre par semaine. Du coup ça fait 2 mois. Zanark Domination nous a été envoyé par Eldorado, c'est certain. Mais ce n'était pas leur équipe officielle. Pour autant, que pouvons-nous faire? C'est... ça va bientôt devenir très intéressant. Moi j'ai vraiment hâte des derniers chapitres sur ce jeu. Je vous le dis les gars, ça va devenir incroyable. Si on était assez fort pour se mesurer à eux tout de suite, on pourrait voyager dans le futur et les affronter. Allez, allez, je suis chaud. Il n'y a pas 36 solutions pour sauver les coach Evans et le football. Nous devons vaincre Eldorado et réparer leurs dégâts. Il faut que notre niveau soit supérieur à celui de leur meilleure équipe. Sinon, inutile d'espérer remettre l'histoire sur les rails. Attendez, je regarde juste, les gars, si j'ai mis la bonne miniature. Ça, je suis pas sûr de moi. Non, ok, c'est bon, j'ai mis la bonne. Parce que j'en fais plusieurs à chaque fois, les gars, des miniatures avant de choisir. Genre j'hésite souvent et des fois ça m'arrive de changer au dernier moment. Leur meilleure équipe, tu veux dire qu'ils ont des équipes encore plus fortes que celles qu'on a affrontées? Ah mais JP il chie dessus mais tous les épisodes hein. Le principal lui a pour nom équipe excellente et gare à l'indigestion. Ah lui il est trop cru la dette ça avec ses blagues de merde. Professeur Cryptix. Ah il m'a saoulé lui. Mercredi live entraînement, et oui, la semaine prochaine, live entraînement, recrutement. Chapitre 8, panique préhistorique. Et les gars, aujourd'hui ça va être un délire, vous allez voir, il y aura des dinos et tout. Je crois qu'on va taper un foot avec eux.
Et je vous jure, c'est pas une blague. Hein. Je pense qu'on va vraiment taper un foot avec des dinos. Pouvez-vous nous en dire plus, professeur? Eh bien, il semble que l'équipe excellente soit déjà en route pour nous rencontrer. Notre victoire face à Zanark Domination n'a fait qu'accroître la vigilance de nos ennemis. L'équipe Excellence a été chargée de protéger la déviation spatio-temporelle afin que l'interdiction du football soit maintenue. Si j'ai bien compris, notre seule chance de réhabiliter le football est de battre l'équipe Excellence. Comprenez bien, ça ne va pas être de la tarte, les amis. L'équipe Excellence est vraiment très différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. Leur coach, Shemer Gil, fait partie de cette équipe, une machine à gagner. Ok. Quel que soit l'aspect du jeu qu'on considère. Ok, donc ils sont ultra chauds, quoi. Quel que soit l'aspect du jeu, professeur, qu'allons-nous faire? Oh, il a encore disparu. La situation est grave. Aïe, 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 situation critique, là, les gars. On peut spoil? Non. Voilà, je te réponds à ta question. Grave, les dinos sont chauds. Oh là là, ça va être tendu. Mais après, là, ça veut dire qu'on va avoir... Ah non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire encore. Comme si ce n'était pas déjà le cas. J'allais parler de Big, les gars. Pour ceux qui connaissent. L'équipe ultime, c'est souvent le moment d'ouvrir grand vos oreilles. Nous avons une nouvelle cible. 7e joueur, un défenseur aérien qui règne sans partage sur les cieux. Et le 8e, un milieu de terrain dont la vivacité recèle toute la puissance de jadis et dont les crocs acérés sculptent les océans. Il s'agit de rien de moins que de dinosaures. Ah, je suis éclaté. Ah, mon dialogue, il était éclaté. Ouh, des dinos. Mais c'est une façon de parler où vous faites référence à de véritables dinosaures. Alors, l'équipe ultime accueille aussi des animaux dans ses rangs. Il est vraiment con, lui. Moi, je trouve ça plutôt classe. Il n'y a rien de plus cool que des dinosaures. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Dans le jeu, j'ai cru que... Verbe de bouquin, un esprit guerrier, j'étais mort. C'est qui, B? Ah, musique Inazuma Japon, là. Ça se voit, c'est la musique des défis. Oh non, JP, casse pas les couilles, s'il te plaît, putain. Mais ça, on le sait, gros. Il croit, il nous apprend des trucs. C'est la seule connaissance qu'il a. C'est la seule connaissance qu'il a, JP, c'est ça. Du coup, il en profite. Et le mieux, c'est qu'ils ont dominé la planète entière pendant 160 millions d'années. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh. Ça refait ma journée, vraiment. Merci, JP. 160 millions d'années, c'est presque impossible d'imaginer une telle durée. Mais ils ont disparu tout d'un coup à la fin du Crétacé, il y a à peu près 65 millions d'années. Et je vous jure, c'est un expert, hein. C'est un putain d'expert. JP Neutron. Quel puits de science, JP, je ne savais pas que tu étais un télo. Non, il a juste une seule connaissance, c'est les dinosaures. Faye a déjà dompté l'aura d'un dinosaure, c'est un bon début. Allez, ok, Faye, merci. Faye qui dompte des dinosaures. Avec, il a un gros Tyrannosaurus. Allez, merci, les dialogues, c'est bon. Il parle de dinosaures, gros, c'est moi, je joue au foot. JP a que des dinosaures et foot dans son cerveau. Oh, l'école d'Okinawa. Trouver un fossile de dinosaures. Oh, ok. Allez, c'est parti, les gars. Trouvons ce fossile. Présentation de Faye, spoil ce qui va se passer. Bah oui, mais ceux qui ont pas envie de se spoiler, bah ne regardez pas la présentation. Et ceux qui connaissent déjà, et ben regardez-la parce qu'elle est incroyable. Voilà, je vous le dis, elle est incroyable, la présentation que j'ai fait. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai fait, je pense. Alors, on va... non, du coup, caravane, du coup. On va dans le bungalow, là. Merde, qu'est-ce que je fais? Alors, on va à la plage, les gars. Et interdimensionnel, je sais pas, hein. Mais on va à la plage en tout cas. Sortez les lunettes de soleil, le chat. J'en ai pas sous la main, mais on va à la plage là. On va à Miami Beach. Oh, c'est beau. Écoutez la mer, les gars.
Écoutez la mère, elle fait de l'ASMR. Ah, je me suis ressourcé, c'est bon. C'est bon les gars, j'ai pris mes vacances de l'année. Les seules vacances que j'aurai cette année. Profitez de voir la mer les gars. Peut-être cet été on la verra pas. Et j'ai que des thèmes. Allez, on se tire de là, on monte un peu. Tu joues sur quoi? Émulateur. Sortez les claquettes. Tu crois pas si bien dire. Je suis déjà prêt les gars. Je suis déjà prêt. Dommage qu'on peut pas aller à Maritime Memorial. Ah, l'équipe de Hurley. Oh, une pierre. Une pierre émane une voix. Oh non, encore un joueur pourri. Oh. Waouh. Vraiment de malade. C'est fou furieux ce que tu viens de me montrer. Hein. On est en claquet de chaussettes. Non, c'est pas là, c'est où? Attendez les gars, je fais un peu le tour de l'île, hein. On explore un peu là. Le but c'est un peu d'explorer quand même. Ah, ils sont stylés ces PNJ. C'est des PNJ stylés. Assez rare. Par exemple, lui, il est éclaté. Attendez, je vais descendre là-bas. On va voir ce qu'il y a. Ok, bah toi, viens, pas de problème. Est-ce qu'on le live XP recrutement? C'est la semaine pro, mercredi pro sur Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, j'ai pas compris, les gars. J'ai eu un gros problème. En gros, si vous voulez, il y a énormément de bots qui sont abonnés à mon Twitch. J'ai contacté Twitch justement pour qu'ils suppriment ces faux abonnés. Et je sais pas comment trop comment on fait, ça m'emmerde un peu en vrai. C'est un peu chiant. Je vous jure, j'ai pris 7k abonnés du jour au lendemain. Non mais c'est que des bots, ça m'a rendu fou. Et ça tu peux rien y faire à Skip. J'en ai parlé à Legendaire, il m'a dit tu peux rien y faire. Du coup j'ai contacté Twitch, j'espère ils vont régler le problème. Mais s'il y a un abonné qui sait comment faire pour bannir ces abonnés chelous là, et ben n'hésitez pas à me contacter. Et Okinawa c'est beau hein, quand même. Ah j'arrive là, ok. Moi Okinawa ça fait partie d'un de mes lieux préférés dans Inazuma. C'est clair et net. Rien que la musique déjà elle est trop bien, enfin. Je n'ai passé des heures avec cette musique dans Inazuma Eleven 2 quand j'étais petit. Elle m'a dit quoi? Okay. Ah non, j'ai cru qu'elle m'avait dit t'es magnifique. Ok non, elle m'a déjà friendzone la meuf. Je pensais elle parlait de moi. Alors, oh, un coffre, parfait. Jus de citron simple. On va à une petite terrasse là. Ok. Bon bah les gars, on a fait un peu le tour. On va monter du coup hein. On va continuer l'histoire. Ouais, je l'ai vu aujourd'hui les gars, la vidéo sort demain, où je ferai une vidéo réaction à l'annonce de Ino, de Akiro Ino. Je ferai la réaction à ce qu'il a dit, le gameplay qu'il a montré, etc. Demain ça sort sur la chaîne YouTube. Il y aura pas trop de montage, hein. C'est une vidéo à chaud les gars, où je réagirai au truc à chaud. Ce sera vraiment une vidéo détente pour que vous voyez mon avis et qu'on débatte ensemble dans les commentaires. Mais il y a des choses, j'ai été très surpris. Positivement surpris et d'autres, des questionnements, juste des questionnements. Des questionnements où il n'a pas forcément apporté des réponses encore. En tout cas les gars, on peut s'estimer heureux, déjà c'est une bonne nouvelle. Hein. Déjà... Ça fait un an le frérot, il était mort.
Ouais, Alexan, il est trop rapide. Lui, il monte des vidéos en un jour. C'est un fou malade, lui. Et je suis allé chez lui, il est déter, hein. Je vous jure, il est déter. C'est... Franchement, là-dessus, je trouve qu'il est incroyable. Il est vraiment impressionnant. Il est plus déter que moi sur le fait de monter les vidéos et tout. Franchement, il est vraiment déter. Après, je lui ai dit de monter sur Premiere Pro parce qu'il monte pas encore sur Premiere Pro. Je lui dis, ça sera plus simple pour lui. Il nous dit, voilà, je suis sûr qu'il suffit de taper dans une motte de terre pour dénicher un fossile de Triceratops. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ah non, mais il a vraiment cru... Non, mais il a vraiment cru trouver des fossiles comme ça, lui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais creuser comme un détaré. Tu sais qu'il faut faire... Je crois, pour trouver des autres dinosaures, il faut faire des trous de plus de 100 mètres. Hein. Enfin, pas 100 mètres, mais bien 10 mètres. Hein. C'est pas en prenant une petite pelle et ton seau à sable que tu vas trouver un os de dinosaure. Hein. Je peux savoir ce que vous fichez? Ils sont vraiment cons. Mais, c'est Arion, ça faisait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Mais c'est une daronne, elle, c'est pas, elle a pas 15 ans. Mademoiselle... Alors comme ça, c'est besoin d'un fossile pour sauver le football. Même si je suis pas sûr de bien saisir les subtilités, je vais vous aider. C'est bien parce que c'est toi, Arion. Allez, suivez-moi. Putain, Arion, il l'a géré, oh. Arion, il gère des meufs de 25 piges. Est-ce que ceci ferait l'affaire? Oh, un fossile, un vrai de vrai, merci. C'est facile, hein. C'est facile, la vie, des fois, hein. Mais on en a pu savoir quoi en faire. Alors un de plus ou un de moins, promets-moi seulement d'en prendre soin, d'accord? C'est n'importe quoi, je vous jure que c'est n'importe quoi. Quel archéologue ferait ça? Est-ce qu'il y a des archéologues dans le chat? Est-ce qu'on a un qui donnerait un fossile comme ça? Non, ça n'existe pas, c'est faux. Derrière toi, t'as un esprit guerrier? Oula, en plus je crois que cette musique elle est copyright. Archipégase, le cheval des dieux. Oh, c'est ça l'esprit guerrier? Ils vont nous le donner. C'est par Archipégase, mais Pégase tout court. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, la résonance. Mais je crois qu'ils vont nous le donner là. Oh le bâtard. Oh le bâtard, mais c'est vraiment, ils sont vraiment pas cool, hein, avec Wunderbar. Wunderbar, c'est le boss, hein. Respectez-le un peu. Bon bah on a eu un esprit guerrier, les gars. Je crois que c'est le premier de Arion. On va aller dans le transporteur. Ça va, Giruto. L'ours est shiny. Et les gars, est-ce que ça vous plairait? J'ai une question à vous poser. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour la chaîne secondaire. J'ai deux idées. Il y a d'abord la vidéo bulletin où j'ai montré mes bulletins scolaires. Et on a une autre. Ça serait une ouverture de cartes Pokémon. Est-ce que ça vous plairait un petit pack opening de cartes? Histoire qu'on peut essayer de choper des bonnes cartes. De la légendaire, de la shiny, de la ultra X, je sais pas quoi. Ça vous tenterait ou pas? On se fait des ouvertures sur la chaîne secondaire. Allez, c'est parti. Attachez vos ceintures. Oui. Pourquoi pas? Ok, bah si vous êtes chaud. Ok, ok, les gars. Attachez vos ceintures. Les dinosaures du Crétacé nous attendent. T'imagines, je sais pas, que le Draco Feu Shiny. Putain, il vaut combien le Draco Feu Shiny déjà? Il vaut 1000 balles, non? 500, 1000? Il n'y a que 221 personnes au live et que 73 likes, normal. Et bah les gars, ça dépend de vous, hein, ça dépend pas de moi. Hein. Allez-y, hein. Essayez de dépasser les 100, les gars. On peut le faire, je pense. Poursuivez vos recherches. Comprenez-vous maintenant pourquoi nous étions réticents à l'idée de faire appel à ce cabot d'Avalonic? Il ne peut pas être contrôlé. Et frérot, parle correctement de Zanark. Hein. Et c'est toi, sinon il va te montrer c'est qui le chien. Gil au rapport.
L'équipe Excellence a déjà effectué son voyage dans le temps. Ils sont lancés à la poursuite de Raymond en ce moment même. Et je les ai jamais vus bouger de sa chaise, lui. 400 balles, ok. C'est énorme déjà. Non, 800. Nous avons fait un bond de 68 millions d'années en arrière. Voilà le monde tel qu'il était au cours de la période du Crétacé. N'en crois pas à mes yeux. Vite, allons voir les dinos. Pas si vite. Oh, la musique est incroyable. Avatar. On est dans Avatar là. Pas si vite, on ne peut pas avancer tête baissée. Allez, c'est parti. Wunder bouton activé. C'est avec ça qu'on est censé affronter les dinosaures. En effet, je m'attendais à revêtir une armure, pas une toile de jute. Mec, une armure, t'en auras jamais, toi. Je trouve que ça me va à ravir. Ouais, allez, casse-toi de là, tombe dans l'eau. Tu marques un point, cependant. C'est pas bon. Non, c'est bon. Pas la peine d'en faire un plat. Avec ça, au moins, on ne jure pas dans le décor. Moi, en tout cas, j'aime bien. C'est ça, Goldie. M'enlève les mots de la bouche. Allez, en route. On part à la chasse à l'aura de dino. Un steak de dino. Est-ce que c'est bon, un steak de dino, vous pensez? Bien grillé, là. Un bon petit tyrannosaure à point. Ou saignant. C'est vraiment la meilleure zone ici, les gars. Pour qui dans le chat c'est sa zone préférée ici? Il y a une pierre, attends. De la pierre parallèle émane une voix. Oh non, mais putain, mais c'est toujours les mêmes choses. Oh putain, que des nuls en plus. Ah ouais, le mec il... Hey, il a répété sa choré pendant 3 mois, le gars. Allez, ça dégage. Oui, oui, ok. Bah ça va, vous aimez bien la zone. Waouh, waouh. Jurassic Park. C'est magnifique. Voilà, tous les dinosaures. Et les gars, ils sont... Là, pour l'instant, ça va, tu vois, ils ont pas vu le tyrannosaure. Hein. Mais je crois ils ont pas compris que c'est dangereux. Hein. Il y a même un Almosaur, c'est fou. On est vraiment revenu au temps des dinosaures. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Et mais là, à tous les coups, t'es un humain. À cette époque, tu meurs, tu survives pas 3 jours. Hein. Avec tous les prédateurs. Quoi, mon dino préféré? Oh bah j'en connais pas beaucoup donc je pourrais pas te dire. Moi je dirais le tyrannosaure mais parce que je connais pas pratiquement que lui hein. Ah bon, ça change rien. J'aimerais bien lui faire tâter de mon hameçon quand même. Étrange. Fais comme bon te semble, mais étant donné la taille de cette créature, c'est plutôt toi qui risques de finir dans son assiette. Étrange le dialogue hein. Quel spectacle. Aussi, tu es un amateur de dinosaures, Victor. Et les musiques sont particulièrement fortes. Je n'y pensais plus, mais ça me revient en voyant ça. Vladimir m'a un jour emmené à une exposition au musée d'histoire naturelle. Si on m'avait dit à ce moment-là que je verrais des dinosaures de mes propres yeux. Je voudrais pas jouer les bonnets de nuit, mais on n'est pas venu observer les animaux. Voilà, Wunderbar, le foot. Le foot avant tout. Des matchs, c'est ça qu'on veut. Des matchs, on t'a dit. Oh, Wunderbar, derrière vous. Un dinosaure. Un dinosaure, sauf qu'il part. Non mais t'es mal, gros, il fait la taille de son orteil. Ah ouais, mais... JP, il sait pas courir aussi. Rien ne va. On en parle qu'il n'y a rien qui va, les gars. C'est un humain.
Il s'est pris un caillou dans ses dents. Il a une chicot en moins. Mais c'est impossible. Il n'y avait pas encore d'humains au Crétacé. Le Temal BG. Je l'aime trop, lui. Moi aussi, je l'aime bien, les gars. Qui êtes-vous? Oh, lui, c'est dialogue, ça va être quelque chose. Oh, lui, c'est dialogue. Et ça parle en plus. Il le respecte pas. Ah, je suis mort. Il a dit ça. Ce truc parle. Genre être il. Pas ça. Quoi? Oh putain, ça va me fumer ce chapitre. Oh, je suis mort de rire déjà. Oh putain. Être comme ça. Sors, jamais voir personne comme ça. Sors, on va trouver animaux comme ça. Oh putain, qu'il est con. Sors, content. Oh putain. Oh, les dialogues, je vais pas m'en sortir. Hein. Là, je me rends compte, les dialogues, je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Comment le nouveau copain de sort s'appelait? Aridon. Aridon? Aridon et ami d'Aridon, être ami sort. Aridon, il l'a appelé. Emmenez-vous dans sa maison. Ouais, après Wain Wain Sherwin, voici Aridon, les gars. Hé, hey, pas si vite. Il me fume, je le kiffe trop. Je kiffe trop ce perso, il va mettre de l'ambiance dans l'équipe. Alors, attends, il y a des dinosaures et tout. On peut parler à un dinosaure. J'ai parlé avec un triceratops. Palmarès de Rems. Qui dit mieux? Il n'est pas parti à l'école, le mec. Maintenant, je vais appeler Arion Aridon. Il n'y a pas quelqu'un qui joue à Nozomalivan Go-Ombre. Je vous présente Sort, le personnage le plus hilarant de toute la série. Ouais, je l'aime bien, il est marrant. Ah, c'est grand, hein. Oh, c'est un putain d'open world, là. On joue à Zelda, les mecs. Danse des halls, ok. Ça, c'est incroyable comment c'est grand. Surtout qu'il y a... Putain, c'est vraiment une grande vallée. Hein. La map est trop grand, il n'y a que 3 endroits de téléportation. Ah bah les gars, faut marcher. Hein. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment et tout. Donc. Oh, il y a des oiseaux. Théma gros, Théma, je suis dans un zoo. Je suis dans un putain de zoo. Enfin, c'est plus une jungle qu'un zoo. Faire de l'exercice spécifique, non. Incroyable. Vraiment bien fait. Hein. Ceux qui aiment bien cette zone, je vous comprends, les gars. Elle est vraiment stylée. Alors, on va à gauche maintenant. Et peut-être que ça va détrôner mes autres chapitres dans mon chapitre préféré. Hein. Pour l'instant, c'est une Nobunaga. Oh, incroyable. Mais peut-être ça va détrôner. Hein. Oh, Théma lui, gros. Théma lui, il doit faire des bouses, mec. T'imagines lui quand il teps. Et là, rien, il s'envole, il part dans l'eau là. Ah ouais. Truc de ouf. Non, en vrai, ça va, la map est grande, mais c'est un RPG. Regardez les plaines d'Hyrule dans les Zelda. Alors, jamais joué aux Zelda, les gars. Mais ouais, sûrement. En tout cas, c'est une des zones les plus grandes qu'on ait, je crois. On continue, du coup. Les dinosaures qui vont te suivre. Fasse gaffe.
Ah, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Les gars, on explore. Hein. On fait les Indiana Jones là. On va regarder ce qu'il y a dans le trou. Oh, un coffre, parfait. En plus, la caméra elle bouge et tout en même temps. C'est vraiment bien. C'est pas une caméra fixe. J'avais oublié à quel point elle était bien cette zone. Oh, y'a un. Attends, y'a un vendeur. Y'a un dealer. Trop long. J'ai quelques manuscrits qui devraient vous intéresser. Jetez un coup d'œil. Vas-y, vends-moi. Mur de Gaïa. Ah, c'est pas de la bonne. Elle est éclatée. Allez, c'est bon, je me casse de là. Je prends rien. C'était de la mauvaise qualité, les gars. Pour ton prochain match, je te lance un défi. Quand il y aura le Miximax, si tu ne mets pas 4 goals, tu feras un cover Inazuma. Non. Non, les gars, on va pas faire des trucs de ouf. On verra pour les défis. Trop d'on vendeur, on doit l'appeler ce vendeur. Et moi, je connais pratiquement aucun dinosaure. Je connais Triceratops, Tyrannosaure, Tranchodon. Non, c'est un Pokémon ça. C'est un Pokémon ça, non? Tranchodon. Groudon aussi, c'est un Pokémon. En fait, les seuls dinosaures que je connais, c'est des Pokémon. Si personne n'y est opposé, je suggère que nous faisions l'impasse sur cette étape de notre visite. D'accord, de ne pas vous. D'accord, sors, pas vouloir monter là-haut. Alors, pas grave. Ah oui, c'est un Pokémon, ok, ok. Quel est ton meilleur perso dans Naruto? Bah, moi, je dirais toujours Neji quand même. Hein. Il aurait mérité mieux. Regardez. Ils nous ont suivis jusqu'au Crétacé. Quand ils ont une idée dans la tête, eux. Moi, je trouve qu'ils gâchent complètement le paysage. Ah oui, ils ont mis des. Ah, mais ils ont mis des joueurs, forcément. Allez, on va les défoncer. Pourquoi Groudon? J'en sais rien. D'ailleurs, demain, on regarde un film Pokémon sur Twitch, les gars. On va regarder celui où il y a tous les légendaires, là. Celui de Oupa. On va regarder celui-là de film. Apparemment, c'est le gros bordel. Il y a tous des légendaires et tout. Ça va être une dinguerie. Oh, pas mal ces gants-là. Pas mal du tout même. Ils sont incroyables les objets. Oh, les objets ils sont super puissants. Vas-y, j'en prends plusieurs de ça. Allez, on en prend un troisième. Histoire d'équiper nos attaquants là. Alors on va équiper Victor aussi. Pas mal du tout ces petits crampons. Sympathique. Je connais pas l'ankylosaure, le diplodocus. Diplodocus, si. L'ankylosaure, non. Sinon, il y a les quoi, des dinosaures. Vélociraptor, je connais aussi. C'est juste, faut que je m'en rappelle, mais. Oh, ils sont rapides, sa mère. Ce film est insane. Et bah, c'est demain à 18h, les gars, sur Twitch. On le regarde ensemble. Petite soirée cinéma. Ah ouais. Que tu regardes Pokémon Blanc, Victini et Zekrom. C'est un autre film ça? Il y a combien des films Pokémon en tout? Ou alors on peut se faire. On regarde une saison de Pokémon. Soit les premières ou les trucs comme ça. Ou alors une bien que j'ai pas vu, genre XY. En tout cas demain c'est sûr on regarde le film ou pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi agile. Il doit avoir des griffes de dinosaure pour s'agripper au rocher. Quoi? Vous attendre? Vous venir courir, sauter, arriver? Ça va pas la tête. Aucun d'entre nous n'est capable de bondir comme ça. Pas de problème. Ami sort à voir tête dure comme pierre.
Faire petit caillou avec gros rocher. Boum boum, 3 comprendre. Et je comprends rien à ces dialogues. S'il parle d'une créature capable de donner de bons coups de tête, ça doit être un pachycéphale, oh là. Pachycéphalosaure. Allons chercher un. Et comme il fait trop l'ancien JP. T'as regardé Koh-Lanta hier? Ouais, d'ailleurs, c'était incroyable l'épisode hier. Ce qu'ils lui ont mis à Candice, sérieusement. Ça, c'est vraiment le... les bâtards de la vie, quoi. Je trouve pas cool du tout ce qu'ils ont fait. Bah après, Candice, elle est un peu débile aussi. Hein. Elle est zéro stratégie. Et voilà le Pachycéphalosaure. Un spécimen de premier choix avec ça. En fait, ils vont lui monter dessus, là. Et c'est pas un... c'est pas un cheval, hein. Sors, montrez-vous. Gragou. Grougalagou. Grougagou. Oh mon dieu, les dialogues, ça va être une horreur. Incroyable, il parle le dinosaure. Elle était gentille en plus quand elle dit ça. Elle avait rien demandé, la peau. Alors, j'ai pas suivi, faut que je fasse quoi du coup? A l'aide du dino. Elle me suit? Oh! Oh, j'ai un nouvel animal de compagnie, les gars. Regardez-moi ce beau Pokémon là. Ce beau spécimen. Ah, je vais aller avec ça en cours maintenant. Ah, oh, j'ai Zizou, on l'appelle Zizou. Il met des coups de boule là. Et c'est le premier dinosaure à avoir une calvitie, lui. Hein. S'il vous plaît, monsieur le Pachiné. Ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête de lire, c'est bon. Même si t'as un chien. Non, j'ai pas d'animal de compagnie chez moi. Mais j'aimerais bien en avoir. Si ça répond à tes questions. Vous avez réussi. Il a éclaté sa mère, le rocher. Merci, tête dure, à bientôt. Il est copain avec des dinosaures, la chance. Liverpool ou Real Madrid? J'en ai parlé avec Alexa l'autre jour. Pour moi, Liverpool va passer. Je sais pas pourquoi, je les sens bien. Petit pari comme ça. Et puis parce qu'il est pour le Real aussi, j'avais envie de le faire chier. Alors. Un Zizou Zaur. Un Zizou Zaur. Il a fait l'attaque fracasse-tête. Jean-Eude. Il y a des gens qui s'appellent Jean-Eude dans le chat. C'est pas que j'ai quelque chose contre les Jean-Eude, mais. C'est pas commun, quoi. Il y a des gens qui s'appellent Jean-Eude. En tout cas, dédicace à tous les Jean-Eude. Voilà. Bon, Ricardo. Ton match, putain, t'étais en train de te faire promener, mais après. Il est rentré. Quel match? Le match de la dernière fois? J'ai pas trop compris ton message. Ok, donc là, merci Zizou. Ah, 100% va pousser le tronc. 100%. Oh non, un gouffre. Pas de soucis. Boeing, sauter facile comme bonjour. Ah oui, lui, il a sauté carrément. Bah ouais, t'en as d'autres comme ça. Et si on versait cet arbre pour qu'on s'en servait de pont, on pourrait traverser le ravin, qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi déjà l'expression là? Qui fait trop le malin tombe dans le ravin, c'est ça non? Je pense que c'est ce qui va se passer.
Mais sors avoir solution. Sors avoir autre ami avec que. Putain. Ah, pourquoi mon esprit m'a placé? Pourquoi? Il y a aucune animosité dans ce dialogue. Voyons. Une queue énorme. Je sais ce qu'il nous faut. Ah, JP s'y connaît bien en queue. Hein. JP. Ils doivent se taper des barres, des traducteurs des fois. Allez, on va le chercher. Esprit mal placé, moi aussi. Bah, les gars, on a tous l'esprit mal placé. Ah, mais il est où en plus ce chien? Il est loin en plus. Sors, c'est Mowgli. Eh, mais Ren, je vais signaler ton live. Mais j'ai rien dit de mal, les gars. Moi, je lis les dialogues. Hein. Je lis juste les dialogues. Regarde un ankylosaure dans toute sa splendeur. Viens, mon gros. On a Ravin à te présenter. Ah, c'est lui, il a une. Ok. Ah, on a un nouveau Pokémon, les gars, encore. Et il cavale, hein. Porto vont battre Chelsea. Je pense pas, non. Je ne pense pas. Vas-y, donne le coup. Doucement, Axel Frost, quand même. Hein. On s'emballe pas trop là. Hein. Frérot, doucement. A vous l'honneur, monsieur l'ankylosaure. Poil, il est où? Putain, Poil. Cet ancien, il est. Je sais pas où il est, mais vous êtes en train de jouer à Minecraft en ce moment, je pense. Avec sa tête là. Non, Poil, vraiment un ancien. On s'en rappellera de lui. Il aura plus marqué Inazuma Eleven Go que Eugène. Toi venir un temps pour être. Toi venir. Un temps pour être chouiné. Non. Un temps être pour chouiner. Un temps être pour traverser. Cet énergumène me semble considérer que nous avons gardé les dinosaures ensemble. Sors attendre vous maison, juste là-bas. Eugène, il est en train de se faire victimiser. Oh, pas mal ça. T'en regardes ce qu'on a eu. Alors, j'ai l'impression vraiment de jouer un RPG, genre monde ouvert et tout, open world, c'est incroyable. Vraiment, ils ont réussi à mettre une cette ambiance. Très réussi. Et moi, vous savez c'est quoi mon nom complet japonais? Parce que j'ai regardé sur internet, tu peux savoir c'est quoi. Moi, Rémi, en japonais, c'est Shikurinki. Un truc comme ça. Shikurinki. Rémi Shikurinki. Est-ce que c'est stylé en vrai, les gars, ou pas? Ça veut dire, dans un animé, je m'appellerais Shikurinki. En vrai, je suis mitigé. Je sais pas si c'est stylé ou si ça fait. Ou ça fait éclater. J'arrive pas à savoir. Mais cherchez sur internet, vous, votre nom japonais. Bienvenue. En fait, ça se fait par syllabe. Une syllabe en français, moi c'était ré. Et ben ça se remplace. Et le mi, ça se remplace aussi par un truc. Du coup, ça donne ça. Tu vis seul ici? Seul? Non. Papa de sort ici aussi. Venez, moi, présentez-vous. Ah oui, c'est vrai, son père, putain. Ah ouais, mais ça est n'importe quoi, ça aussi. Papa de sort arrivé. Et frérot, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, d'accord, il y a un gros problème, le chat. Dites-moi pas que c'est normal.
sort, mais... Et c'est un dinosaure. Ouais, un Quetzalcoatlus en plus. Un Quetzalcoatlus quoi plus? Ryoma, il est comme moi. Un Quetzalcoatlus, Ryoma. Miam, ça va être un régal, Aridon. Toi, manger, dire et dire sort des nouvelles. Merci, ça a l'air délicieux. Surtout quand on voit tout ce que tu as déjà mangé. Dis-moi, sort, comment t'es-tu retrouvé ici? Mais ça se trouve, les fruits de l'époque, ils étaient encore meilleurs que ceux de maintenant. Parce que ça devait vraiment être des fruits naturels, tu vois. Des trucs sans pollution, sans pesticides, sans rien. Ça devait être une dinguerie, hein. Eh bien, t'es un humain comme nous. Cette époque n'est pas la tienne. Et je suis sûr que la viande de dinosaure, c'est ultra bon. Sort être enfant, papa, papa avoir œuf et sort sortir. Un œuf? Et puis quoi encore? Cet Olibrius débite tellement d'absurdités à la minute qu'on ne sait pas lesquelles relever en premier. Sort pas mentir, sort montrer-toi œuf. Enfin, sort montrer-toi œuf, si œuf pas cassé par grosse patte de papa après moi sortir. Oh dommage. Mais pas problème. Sort vouloir savoir d'où vous venir. Derrière grosse montagne, vous vivre là-bas depuis longtemps. C'est une longue histoire, mais pour faire court, nous sommes à la recherche d'un dinosaure particulier. Oui, un dinosaure encore plus fort qu'un tyrannosaure. Ça te dit quelque chose, Sort? Un tyrannosaure? Pas vrai, Sort très gentil. Tyrannosaure ne signifie rien pour Sort. C'est juste un nom que les scientifiques de notre époque lui ont donné. Mais Théma, comment il fait l'ancien? Avec sa petite main sur la hanche. Et on n'a pas oublié quand tu te pissais dessus devant le tir cataclysme là, de Jeanne d'Arc. Et j'oublierai pas. Hein. Papa mettre une raclée à lui si papa vouloir. Oh putain, j'arrive plus à lire ces dialogues, c'est trop. Sort et papa s'entraîner tous les jours. Sort très fort. Et papa encore plus. Pokémon, trop de Pokémon. Sort doit manger des dinosaures tous les jours. Je sais pas ce qu'il mange, il y montre pas là. Il a l'air d'avoir la viande. Peut-être Mama Boss est forte, très forte. Mama Boss habitait dans la vallée des bêtes, dans une grosse caverne. Autre dino appelait elle Boss, car elle plus grosse dino des dinos. Ça ne peut être qu'elle, Arion. D'après cette description, elle présente le profil idéal pour un Mitimax de première classe. Ça m'en a tout l'air en effet. Sort, pourrais-tu nous emmener voir Boss? Bien sûr, quand Sort pouvoir rendre service. Sort avoir surestimé énergie. Sort, patraque. Envie de dormir maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui lui donne un bécherel avant la fin du let's play. Hein. Sinon, je vais pas m'en sortir. Je vous jure, je vais pas m'en sortir. Oh la marmotte, on se réveille. Rendez-vous avec Boss et reportez à demain, on dirait. Je confirme, bon, autant chercher un endroit où passer la nuit. Et Sort, tu l'emmènes à Koh Lanta, il fait le feu en deux secondes. Hein. Tu penses qu'il essaie de nous dire qu'il nous protégera cette nuit? Et Sort à Koh Lanta, c'est Théoura niveau survie. Je pense bien oui, nous devrions accepter cette invitation. Eh bien, ça vaut toujours mieux que de passer la nuit dans la plaine. Génial, on va camper avec un vrai dinosaure. Je vais dormir comme un bébé. Une grosse journée nous attend demain. Autant prendre des forces, bonne nuit. Sort mange des kebabs à cette époque. Kebab goût tyranno. Alors, quelle est ton opinion, Wunderbar? Comment crois-tu que Sort s'est retrouvé ici? Je n'en sais rien, je ne pense pas qu'il y ait d'autres humains ici. En même temps, ce n'est pas le... Oh là là, le Quetzalcoatlus qui lui a appris à parler. Ça va les gars, je l'ai bien prononcé là. Quetzalcoatlus. Tu crois que c'est un piège qui nous tend Eldorado? Ce n'est pas impossible. Je vais envoyer un rapport au professeur Cryptix à propos de Sort. Il pourra peut-être nous éclairer. Ouais. Ok, j'ai quand même du mal à l'imaginer comploter contre nous. Il a vraiment l'air d'avoir un bon fond. Ah non, il est pas assez intelligent pour ça. Je veux savoir comment un humain a pu se retrouver au Crétacé. Démarrez vos recherches.
Séance tenante. Affirmatif. Oh, ils sont là, enfin. Arrivé dans la vallée des bêtes, confirmé. Commencement de la mission conformément au plan 14. Oh, t'es mal les fruits. T'es mal la taille des fruits. C'est quoi, c'est une poire ça? C'est quoi? La pomme de terre? Après derrière il y a des tomates. La tomate elle fait la taille de JP. Sors la vallée des bêtes. Ah oui c'est vrai, à ce qui paraît à l'époque les fruits étaient très gros. Quand tu regardes dans des films de dinosaures et tout, les fruits sont très gros à l'époque. Je sais plus dans quel film, mais il y avait des fruits, ils étaient énormes. Tu te souviens Arion qui dormait debout sur son lit assis? Ah oui, assis sur son lit, ouais, il fixait le mur même. C'est dans Go. Il dormait comme ça. Il avait un problème. GP, avoir mémoire de mammouth. Vallée des bêtes, être très dangereuse. Vous faire attention ou vous mettre les pieds. D'abord, ça se prononce JP. Ensuite, il l'appelait GP. Tu n'as pas répondu à mes questions. Comment va-t-on atteindre le plateau? Ne t'attends pas, JP. Il est déjà trop loin. Autant le suivre au point où on en est. C'est vraiment le boss, Sor. Il a rebaptisé toute l'équipe. Et Shock sort, il va nous faire des masterclass dans le let's play. T'es mal les fruits. JP fait vraiment la taille hein. Alors on va se TP là parce que j'ai pas envie de me retaper tout le trajet. On va aller à la grande plaine. Faut que j'aille là, ok. Quelle était ma pire matière à l'école? Celle où j'étais le plus nul en vrai. C'était les maths, je pense. Clairement, c'était les maths. Ouais, je t'ai éclaté en maths. Je comprenais rien du tout à tout ce qui était. Probabilité. Si, les probabilités, c'est le seul truc où encore ça allait. Mais tout ce qui était courbe exponentielle, géométrie dans l'espace, machin. Oh là 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 là, sort de mon cerveau tout ça. C'était horrible. Force à vous, hein, ceux qui passent le bac de maths et tout. D'ailleurs, au bac de maths. Je crois que j'ai eu la moyenne. Miracle. Miracle. Je sais pas comment j'ai fait. Heureusement, il y avait les programmes dans la calculette. Hein. Sur le plateau, ne s'est pas rabaissé au cours de la nuit. Comment nous sommes-nous censés grimper là-haut? Mais sauf que maintenant, j'ai tout oublié, les gars. Vous me demandez un truc en maths, j'ai tout oublié. Et Cro-Magnon, on n'a qu'à demander à tes copains Dino de nous donner un coup de patte. Vraiment, moi, les maths, les gars, en fait, je les ai appris que pour le bac. Et après, ça s'est supprimé de ma mémoire. Ça fait un reboot. Tu fais quoi comme étude? Bah avant je faisais un bac STI2D. Je ne sais pas moi. Un dino avec une bonne détente, il nous rattrape. Il saute et zou. On se retrouve en un clin d'œil. Mais les maths c'est aise. Vous êtes nuls. Les maths les gars, on n'est pas tous des Einstein aussi hein. Moi par contre où j'étais bon, c'était le ce qui est... La philo j'étais bon, étrangement. En philo, genre j'étais. Je sais pas, ça passait bien. Après, en philo, c'est soit t'as un bon prof, ça va, mais soit t'as un prof de merde qui sait pas expliquer, c'est un peu chaud. L'histoire, j'étais pas mal. Ouais, j'aimais bien les cours de musique aussi parce que c'était le zoo. Les cours de musique, j'aimais bien. Nous, notre prof, elle nous faisait apprendre de la musique africaine. Je vous jure, on faisait de la musique africaine en cours. Le français j'étais éclaté au sol. Mais de toute façon c'est soit t'es maths soit t'es français. C'est très compliqué d'être les deux. Merde, faut que je fasse quoi là? Ok. Oh je me suis TP. Oh le glitch. Et on est vraiment dans Avatar là les gars. C'est vraiment Avatar.
Voilà un alamosaure, où je ne m'y connais pas. Allez mon joli, on t'emmène au plateau. Ah lui pour le bouger. Attends, il est vraiment là? Il est énorme gros. Il est lent. Je vais le faire courir moi pour voir. Il trace quand même hein. Il a des putains de petites jambes comparé à son corps. Toi viens, je vais le faire écraser un mec. Toi vas-y, je vais te rouler dessus gros. Ah merde. Viens le dinosaure, joue avec nous. Joue avec nous dino. Je te mets en attaque. Ouais, ils sont tellement rapides ici. Oh elle est trop belle l'aspect éruption solaire dans le jeu. De toute beauté. Par contre faut que tu te dépêches, ça fait bientôt une heure, t'es même pas à la moitié. Ah ouais c'est vrai parce que là on prend notre temps et tout. Mais putain. Attends, je vais essayer d'avancer peut-être un peu plus vite. Allez Sol, montre-lui c'est qui le patron. Ah il a plus de pété. Ah il casse les couilles. Putain qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Eh les gars, on a trop peu joué au football aujourd'hui, j'arrive plus à jouer. Ah j'invoque mon Miximax là. J'invoque mon Miximax, sinon on va pas y arriver. Neymar ou Lewandowski? Lewandowski. Allez Ricardo, roulette. Oh, un petit coup de coude aussi dans les côtes, hein, c'est cool. Voilà. C'est trop bien la chaîne, je m'abonne direct. Bah merci beaucoup frérot. Bienvenue à toi. Je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Pour l'instant pas grand chose, juste on aura bien rigolé dans cette première partie on va dire. Niveau action t'as rien raté mais alors... Il y a eu des masterclass. Hein. Et là, je pense qu'on va rentrer dans la phase action, les gars. Escalader la falaise grâce aux dinosaures. Lionel, Rémi, John C. Oui, mais pas les autres. Des fois, j'ai l'impression que vous m'envoyez des messages, mais en fait, vous parlez entre vous. C'est trop bizarre. Bientôt, il y aura Neymar sur Fortnite. Ouais, j'ai vu, il y a un événement. Je sais pas combien il a été payé hein. Ça doit se compter avec 3 chiffres, même pas 3 chiffres, je suis con. Ça doit se compter 6 chiffres hein, peut-être hein. 5 ou 6 chiffres hein. Peut-être même plus hein. Monsieur l'alamosaure, à vous de jouer. Ouais 6 chiffres, je suis sûr c'est au moins 6 chiffres, voire. Je sais pas s'ils ont payé 1 million, mais. En fait, j'ai aucune notion des prix par rapport à ce niveau-là, mais. Ça peut monter à plus de 1 million. Hein. La map est trop grande. Un peu, ouais. Il n'y a pas assez de points de spawn, mais après, c'est normal que ce soit grand, c'est une vallée. Hein. Et là, on n'a pas la clé, putain, le seum. On essaiera peut-être de l'avoir hein, mercredi prochain si on peut. Oh, un autre dealer. Imagine que Chronostone allait être à la place d'Orion, Inazuma serait sûrement sauvé. Bah ça n'a pas trop de sens de mettre Chronostone à la place de... à la suite de Ares. La vallée des bêtes, ma bosse à l'intérieur. Loin de moi l'idée de paraître alarmiste, mais est-ce bien prudent de se rendre sans invitation chez un dinosaure gigantesque? Ah, toi pas t'inquiéter, ma bosse, ami de sort, ma bosse toute douce, toute douce.
Tu as un carnet d'adresses bien rempli, Sor. J'ai hâte de te rencontrer cette nouvelle amie. Oh, lui va mourir, lui. Lui va die. Vous ouvrir l'œil et bon œil ou croque. Vous allez finir l'estomac d'Ino. Ça va être dure loi de vallée des bêtes. L'endroit est décidément charmant. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir se débarrasser de ce dino si on veut avancer. Ah, faut le tuer. Allez. Ça se fait quoi, un barbecue à la plancha? On fait comment? C'est quoi le programme? Affronter les trodons. Oh. Non. Non. C'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Aussi incroyable que ça puisse paraître, certains dinosaures se sont mis au football. Mais leur agilité en fait de redoutables adversaires capables d'utiliser le ballon à vos joueurs sans qu'un affrontement ait lieu. Mais what the fuck. Ça va être incroyable. Des passes fluides, une construction efficace et le but adverse en ligne de mire. Voilà une seule chance de prendre le dessus. Assommer le gardien. Mais vous devriez mesurer à leur terrifiant gardien capable d'arrêter n'importe lequel de vos tirs d'un coup de patte désinvolte. Ah, le gardien le plus broken de la terre aussi. Oh là là, ça va être une dinguerie. Ils sont rapides. Eh les gars, dans ce live, ils s'en passent des choses. Hein. On joue au football contre des dinosaures. Je fais des invocations là contre le goal. Hein. Recrute un dino. Ah, mais quand tu veux. Hein. Quand tu veux, j'en recrute un. Comment ça se passe ces affrontements? Une cour après là? Du coup là il va l'arrêter logiquement. Incroyable gros. Ouah, c'est quoi ce bordel gros? Je comprends rien de ce qui se passe. Les dinosaures ils sont tous écroulés. Rien, il leur a fait des balayettes. C'est fini. Oh non! Oh, je voulais plus longtemps moi. Génial. Oh non merde, j'étais trop rapide. Et je voulais trop voir un dinosaure faire un petit passement de jambe. Oh merde! C'est what the fuck quand même. Est-ce qu'on pourra en affronter d'autres? Oh, je voulais voir un dino faire un sombrero moi. Puis on a gagné. Ouah, comment vous faites ça? Sors, jamais vu chose pareille. Est-ce qu'on pourra les réaffronter après? D'autres? Ça, sors, c'est le football. Il y a une mini grotte dans le chemin. Grou. Que? Football, football. Oh merde. Oh merde. Le Arion virus affecte une nouvelle personne, putain. Sors adore le football. Sors adore nouveaux amis. Bah ma boss va aimer vous aussi. En route. Le coronarion virus. Il a encore frappé. Des dinosaures qui jouent au football. Mon petit doigt me dit qu'Eldorado n'y est pas pour rien. J'ai un mauvais pressentiment. Et c'est nimp, hein. Oui, tu peux les réaffronter. Ah bon, on les réaffrontera je pense. Peut-être dans le live XP recrutement parce qu'il faut qu'on avance dans le chapitre. Mais on les réaffrontera pour le délire. Allez, j'avance. Toi, ok, je l'esquive. Il y a que de la viande ici. C'est le paradis en fait. Bon, il y avait un coffre, je l'ai vu, je l'ai raté. Voilà, j'ai checké juste s'il y en avait un autre, mais bon, il n'y avait rien. À quel âge as-tu connu Inazuma? 11 ans à peu près, hein. 10 ans, 11 ans. Là, ma boss, vivre ici, juste là. Nous y voilà. Mais le plus dur reste à faire. Dompter l'aura d'un dinosaure plus puissant qu'un tyrannosaure. J'en ai la chair de poule. Salut, ma boss.
Sors, passer, dire bonjour. Et amener visite. Ça se voit, il a trop la joie de vivre, sort. Il donne trop le smile. Attention, match difficile en approche. Oula. Ma bosse. Elle est énorme. Oh ouais là. Oh c'est Pouane version dinosaure. Qu'est-ce qu'elle fait? Mama boss, mama boss. Mama boss, mama boss n'a pas l'air dans gamelle de mama boss. Bon là les gars, ils sont en train de communiquer entre eux, je vais pas vous traduire. Aridon, toi montrer mama boss machin rond. Quel machin rond, le ballon? Mama boss dire objet ressemblant à un ballon frappé L. Mama boss tout oublié après impact. Bon ça c'est les robots de tout à l'heure là. Du protocole. C'est signé, les agents temporaires d'Eldorado nous ont devancé. Salva elle me termine. Il dort derrière les gelés le pas. J'avoue. Mama boss dire dernières heures mama boss être arrivée. Combat trop éprouvant pour mama boss. Gros elle s'est juste pris un ballon. Mais elle va s'en tirer, pas vrai? Elle peut quand même pas partir comme ça. Un jour, toi vivre, un jour, toi mourir. Ça aussi être dur, loi de la vallée des bêtes. Ça doit être dur, loi de partout. Et gros, tu te prends un ballon, tu meurs. Axel, il a dû en tuer des gens dans sa vie. Il a tué Austin, déjà. Mama boss, t'inquiète, pas pour Big. Toi, pas t'inquiéter. Mama boss, Big, allez bien. Big, qui est-ce? Oh le crack. Le crack. Un bébé. Big est trop mignon. C'est sûrement le petit de Mama Boss. Non mais t'as vu comment il va devenir après? Oug, Mama Boss élever Big toute seule. Mama Boss vouloir Big être aussi fort que Mama Boss. Mais Big pas encore aussi fort. Maintenant, Mama Boss inquiète pour Big. Pauvre Mama Boss et pauvre Big. Et il te raconte ça comme si c'était le truc le plus triste de ces dernières années. J'arrive à peine à le regarder. Ça me donne envie de pleurer. C'est un... On dirait JP. En effet. Le et Big. Un problème aussi. Dans cet état, impossible d'envisager. On dirait pas JP les gars. Max avec l'aura de Mama Boss. Ouais, c'est quoi ça encore? Un triceratops, il est immense. Ça être Spike, plus méchant dino dans la vallée des bêtes. Lui vouloir être boss à la place de Mama Boss dans la vallée des bêtes. Comme Mama Boss faible, Spike croit pouvoir la battre. Ah ouais, c'est freestyle l'époque hein. C'est celui qui va contrôler la rue. Et vous avez vu son regard, il a subi un contrôle mental. Oh, ça part en couille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux bien, mais... Sans avoir super idée. Sors savoir comment rendre Spike gentil. Ok, je te fais confiance, c'est parti. Il va stop? Non. Attends, soir, il va stop. Attends, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est un malade lui. Hein. C'est un putain de malade. Hein. Alors, qui on vire les gars? Allez, un de moins.
un nul de moins dans l'équipe. Qui est-ce qu'on vire? Qui est-ce qu'on vire avec plaisir? Déjà, on a eu Tasuke la dernière fois, ça fait plaisir. Mais qui est-ce qu'on vire maintenant? J'attends vos réponses, les gars. Comme ça, vous choisissez qui on vire. AD, Wanli, Wanli, Hugues, Wanli, Wanli. Après, Wanli, il va prendre le mur de l'Atlantide. Hein. Il a quand même 84 de défense. Hein. Dans l'animé, il est éclaté, mais là, je pense pas que c'est plus éclaté. Hein. Hugues. Après, on a combien de défenseurs aussi? C'est ça le truc. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 6, c'est un peu beaucoup quand même. 5, c'est bien. Après, lui, il est éclaté sa grande race aussi. Hein. Ah, lui, c'est une honte. Hein. Ah, Hugues, frérot, c'est une honte. Ah, et en plus, tu t'appelles Hugues. Ah non, désolé, je vire Hugues, les gars, mais il a pas de technique. C'est une grosse merde. Ah non, Hugues, ça dégage. Ah mais on rejoue contre les dinos. Oh, Tema il fait la taille des cages. Oh. Mec, c'est trop mon rêve d'être développeur sur des jeux comme ça. Et je ferais n'importe quoi, je mettrais des avions, des on jouerait contre des Boeing. Oh, ce serait n'importe. Non, Hugues est fort. Non, tu mens. Spike, plus être vilain dino. Ah ouais, mais lui il a pas le temps. En attendant, t'as Gabi qui a mis une saison à maîtriser son esprit guerrier. Sors, peut invoquer un esprit guerrier. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Va invoquer Arion en armure. Oh, il m'a bloqué. Allez. Tiens, Rafale 2. On va voir si ça passe. Ah oui, mais lui, c'est pareil du coup que les autres. Bien sort. Waouh, waouh, je vois même plus Sol, gros. Sol, il est sous le dino. Et Sol, ça va ou quoi? Ça va, mon grand? Et Sol, il est... Ah ouais. Il s'est fait rouler dessus. Oh, JP. Oh, sale merde. Sale grosse merde. C'est le pire but que je me suis pris de toute ma vie sur Strike, sur Inazuma. C'est le pire but que je me suis pris. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le mec, il a regardé la balle passer. Il a fait ça, JP. Le ballon est là, il a vraiment fait ça. Il est con. Oh, le fils d'up. Il fait aucun effort, ce chien. En plus, il fait trop le malin depuis le début. Putain, je le déteste. Oh, le but de merde. Le but de merde. Oh, le symptôme du bon gros but de merde. C'est bugué, c'est normal. Pue de sa mère, JP. Ah, tous les défis que j'ai perdu dans le jeu, en vrai, tous les game over du jeu, c'était parce qu'il y a eu un bug dans le jeu. Hein. Et le premier, c'était la barre de chargement. Le deuxième, si je sais plus quoi. Et gros, c'est nimp. On peut pas jouer tranquille. Là, normalement, le gardien, il peut pas la voir. Je tire entre ses jambes, là. Là, il va la contrer. Tu vas me dire, ça va encore repartir dans les cages. Ah non, faut pas que ça reparte dans les cages, là. T'es mal pointard qui te met. C'est un bordel. Ah, les développeurs, ils s'en disent. Bon, autant faire jouer des dinos, autant que le match n'ait plus aucun sens. Ça a déjà pas de sens, donc... autant aller jusqu'au bout dans le délire. Ah, JP, le gardien le plus éclaté, hein. Et tous les cités confondus, c'est lui, il m'aurait fait le plus de merde, hein. Samouk, il aurait été pas mal non plus, mais alors JP. C'est dur, hein. On va faire un Miximax maintenant.
Ah, les sols, il va le défoncer là. Voilà, Fala, fais la passe à sol. Bon, j'ai pas encore l'armure, dommage. Il y en a un abonné, il m'a dit, il va la prendre dans l'histoire. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que moi j'ai bien envie qu'il... de lui mettre. Oh, let's go! Let's go, sol. Oh, je vous jure, le but de tout à l'heure, il sera marqué dans l'histoire, je pense. Hein. On a réussi? Darren ou JP? Mais Darren! Darren! Totalement! Attention! Oh le ouais! Mais dinosaures, ils se battaient qu'avec leur tête avant. Parce qu'ils avaient des petits. T'es mal les mains. On peut pas se battre avec ses mains. S'il se bat avec les... ah, ses mains, c'est fait comme ça. Mama boss. Quel courage. Elle a dû puiser dans ses toutes dernières forces pour réussir cette charge. Tiens bon, boss. Ah, boss. Oh, je crois que. Je crois qu'elle est die, hein. Pourquoi boss doit-elle mourir? C'est pas juste. Tout devoir mourir un jour, GP, c'est tout. Sors le boss, mais putain. Qu'est-ce que j'aime quand il maltraite le nom de JP. Il faudrait que tu changes la goal à la fin du jeu ou tu perdras à cause de lui. Ah, le goal. Le goal qu'on a. Mama boss, bon dino. Meilleur dino du monde, sniff. Vous voulez que je mette qui au goal? Parce que c'est chaud de recruter, hein. Pas s'inquiéter. Sort élevé Big. Big devenir aussi fort que Mama boss, sniff. Elle a disparu, elle est où? Elle était au milieu là. Ils l'ont déjà graille. Remarque, ça fait de la viande après, hein. Sniff, je sais que tout finit par mourir, mais quand même, c'est trop triste. Je ne peux pas retenir mes larmes, Sky. Boss et Sort avaient l'air vraiment proches. Aridon sort aussi vouloir jouer au football. Comme Aridon. Hein? Football fort. Et sort de devoir être fort. Toi comprendre? Sort pas avoir grosse défense. Sort pas avoir croc acéré. Sort doit trouver force ailleurs. Sans force, sort pas pouvoir protéger Big. Toi comprendre? Ougma comprendre. Je veux dire, bien sûr que je comprends. Nous serions ravis que tu t'entraînes avec nous, Sort. Ils vont finir par parler comme lui à la fin. L'âge de glace. Y'a un mec qui meurt dans l'âge de glace? C'est... Attends, y'a quelqu'un qui meurt? C'est pas Manny qui meurt ou un truc comme ça? Ou alors le tigre? Je sais plus, y'a un personnage important qui meurt, je crois. À la fin. Dans le 4 ou dans le 5, je sais plus. Mark Evans. Ou Mecha Mark, ouais. Sauf que d'ici là, ce sera déjà la fin du let's play. Du coup, faut que je retourne là, j'imagine. Ah, mais c'est trop loin, ça fait trop chier de se retaper tout le truc. Ils avaient pas inventé les voitures à l'époque. Hein. Merde, attendez les gars, je vais regarder un truc sur mon téléphone. Cible localisée. Qu'est-ce que vous nous voulez? Élimination de la cible. Boss confirmé. En conséquence, votre entreprise est vouée à l'échec. Renoncer à votre objectif est la seule alternative viable. Qu'est-ce que vous avez fait à Boss? Vous êtes des canailles d'agents d'Eldorado, pas vrai? Vous tombez le masque. Qui êtes-vous? Requête ennemie en cours de traitement. Aucune contre-indication du programme. Réponse en cours de chargement. Putain, il a le processeur de Windows XP dans le crâne ou quoi? Nom ARS, équipe excellence. Rôle capitaine, organisation Eldorado.
C'est vous l'équipe Excellence? C'est l'équipe contre laquelle le professeur nous a mis en garde, la fine fleur d'Eldorado. Ah, Erx, il est grand temps d'effectuer ce pourquoi tu as été programmé, Terra Ceremon. Instruction en cours d'exécution, préparation du défi conformément au plan 15. Tenez-vous prêt. Arrêtons ces humains à avoir fait du mal à Mama Boss. Sors, devoir venger ami de sort. Tu n'es pas seul, sort. Nous sommes à tes côtés. Nous terrasserons Eldorado pour la mémoire du boss. Le boss, c'est le coach Evans. Il y a qu'un boss. Il y a qu'un seul boss, c'est lui. Hein. Il n'y a pas de Mama Boss, c'est Evans le boss. C'est vrai qu'il manque. Hein. Il manque Mark Evans. Hein. Ah ouais, il me manque. Hein. Avec ses pneus dans la gueule et tout. Il me manque trop. Oh, direct! Votre probabilité de défaite évaluée à moins de 0,00001%. Possibilité de fuir de la cible nulle. Initialisation de la procédure du combat. Et le frérot, ça se voit, il fait trop des pronostics. Et lui, c'est, il va me saouler. Tu vas te faire allumer. Niveau d'équipe 32, hein, en vrai, c'est pas sensationnel non plus. Hein. Attendez les gars, je vais pisser. Faut que j'aille pisser. Je vous jure, faut que j'aille pisser. J'ai trop envie de pisser, les gars. J'arrive. Bon, c'est parti les gars. Mission initiée, mode d'entraînement activé. Il fait trop le malin lui. N'oubliez pas le proverbe, qui fait trop le malin tombe dans le ravin. Ah, il est invincible. Ah. Oh putain. J'avais fait une critique en plus. Pour une fois qu'il en faisait une. Aïe 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 les gars, ça va faire mal le tir. Bah, je sais pas de technique, hein, y'a but en fait. J'aurais dû faire une technique peut-être. T'es nul, allez hop, c'est bon. Eh, la JP il nous fait une masterclass aujourd'hui, hein. La masterclass du mec le plus nul de la Terre. Masterclass de la nullité, oh. Je devais gagner? Non, ça va, c'est ok, c'est dans le scénario. Ah, ils nous ont pulvérisé. Quelle force, ils n'ont fait qu'une bouchée de nous. Défaite de la cible confirmée, début de la réinitialisation des mémoires via le contrôle mental. Non. Ah, il va. Bah, je comprends rien. Une erreur est survenue. Ah, c'est lui. Quel micro utilises-tu? J'ai fait une vidéo setup les gars, mais je peux vous le dire là, c'est un Rode NT1A. Tu as vu les nouveautés du nouveau jeu Inazuma? Yes, vidéo de réaction demain à 17h sur YouTube. Professeur Cryptix, vous nous avez sauvé la vie, merci infiniment professeur. Une minute de plus et on passait à la moulinette. La réputation de l'équipe Excellence ne semble pas usurpée. Ils font montre d'un niveau exceptionnel, presque surhumain. Nous n'avons pas été à la hauteur. On avait beaucoup rire et lutté, il n'y avait rien à faire. Et pour eux, on aurait dit une balade de santé. Ah, c'est ça quand le Real joue contre Dijon aussi. Hein.
C'est fini, nous sommes condamnés, inutile de se voler la face. Nous n'avons aucune chance, ce sont de vraies machines. Nous avons beaucoup à apprendre de lui, c'est l'optimiste personnifié. Pour sûr, ce jeune homme est une vraie pile électrique, si vous passez l'anachronisme. D'ailleurs, j'aimerais profiter du fait qu'il ne nous entende pas pour m'entretenir quelque chose, pour m'entretenir de quelque chose avec vous. Vous avez des informations à son sujet ? En effet. Professeur Cryptix aujourd'hui. L'équipe Excellence a décidé de n'éliminer... et leur sortance est irrévocable. Après nos informations, ce jeune homme vient en fait de notre époque. C'est une sorte de réfugié temporel, si vous voulez. Eugène, il gèle tout le monde, ce chien. Et Eugène, je sais pas... Mais il était pas là, Eugène. L'âge du pionnier saut dans le temps. Une époque d'expérimentation où les anciens étaient monnaie courante. Ou les accidents, ok. C'est moi qui sais pas lire. En effet, nous pensons d'ailleurs que c'est au cours d'un de ces accidents que le jeune homme a été envoyé au Crétacé. Oh non, pas encore un accident de voiture. Dis-moi pas que c'est un accident de voiture encore. Hein. Nos agents du temps ont découvert une capsule de sauvetage en forme d'œuf qui semble accréditée de cette hypothèse. La relativité exiguïté de la capsule nous permet de conjecturer que le seul garçon a survécu. Ok, que seul le garçon a survécu. Il n'y avait pas de place pour ses parents. Les éléments à notre disposition suggèrent que la capsule a dérivé sur les flots du temps avant de s'échouer sur la période du Crétacé. Dans un nid au milieu d'autres œufs, la créature qui les avait pondus a alors élevé le garçon qui baptisa cette dernière Papa. D'accord, ok, alors que c'est une madame quoi. Ok. Mais où l'enfant a-t-il appris à parler ? À l'intérieur de la capsule étaient diffusés des programmes éducatifs. Ok. Ok, il a appris à parler avec Dora. Ok. Du même, un dispositif permettait à l'enfant d'être nourri à l'intérieur de la capsule. Il n'a manqué de rien. Après, moi aussi, j'ai appris à parler avec Dora. Je pense qu'on a tous appris à parler avec Dora. Et Babouche, bien sûr, Babouche. Dédicace à lui. La capsule des Saiyans. Voilà comment notre ami sort atterri ici, en pleine période du Crétacé. Alors, sort vient en fait du futur, même pour nous. Le service de régulation du temps essaye d'identifier ses parents, mais à ce stade, nous ignorons qu'ils sont en vie. Ok. De toute façon, ils sont morts. Ça ferait du bien à sort de connaître ses parents. Enfin, ses parents humains. Je pense bien. A failli, il a quoi? Que, oh non, ne t'inquiète pas, bon, il se fait tard, je vais aller me coucher. On a un programme d'entraînement chargé demain. Ah bah oui, bah vu que j'ai fait son histoire, je sais ce qu'il a. Je sais très bien ce qu'il a. Impossible de fermer l'œil, il fait beaucoup trop froid. Là, je vais quitter si Tristan Bertanin ne fait que me saouler. Oh, les modérateurs, ils font pas leur taf, là, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh les gars, soyez sympas dans le chat. Hein. On n'est pas là pour faire ça. Fait. Tu vas devoir te débrouiller tout seul, mon pauvre Big. Bienvenue au club. Je sais ce que tu ressens. Mes parents m'ont abandonné quand j'étais petit. Papa va bientôt rentrer, pas vrai? Pourquoi papa m'a abandonné? Est-ce qu'il t'a donné à moi pour que je me sente moins seule? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse d'une stupide peluche? Comment a-t-il pu me laisser tout seul? Et abîme pas la peluche quand même. Tiens. Je n'ai jamais compris pourquoi il était parti. Peut-être qu'il ne m'aimait pas, tout simplement. Enfin, ce n'est pas la même chose pour toi, Big. Ta maman et ton papa sont là-haut, quelque part. Au moins, tu sais qu'ils veillent sur toi. Ouais, y'a vraiment un problème dans le chat, les gars? Alors que moi... Courage, Big. Dis-toi que les choses pourraient être pires.
Bon, non, bah non, c'est moi le nom du gars si jamais, si c'est un gars. Comme ça, je le banne. C'est bon, Big. Ne fais pas attention à moi. Et surtout, n'aie pas peur. Nous savons tous les deux ce que ça fait de se sentir seul au monde. Je n'ai pu compter que sur moi-même depuis que je suis tout petit. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire, Pablo. C'est le football qui m'a permis de tenir et d'aller de l'avant. Toi aussi, tu dois poursuivre ta route, Big. Un pas après l'autre. Peu importe l'endroit où elle t'emmène. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire et vous avez été nombreux à me la demander, l'histoire de Faye. Donc j'étais obligé de la mettre avant, on va dire. Ça faisait un moment en plus que j'avais pas fait de présentation. Et le jeu, je pense qu'on va le finir dans... Dans deux... Peut-être pas deux mois, mais pas loin, quoi. Je pense dans un peu moins de deux mois, on le finit. Hein. Un mois et demi. Arion ? Oh, Faye, je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de surprendre votre conversation. Faye, tu es... Oui, je suis orphelin. Il a dit ça comme ça. Faye. Beta aussi, elle, elle est là-haut depuis le 9-0. Ah, la rage quitte. Elle est dans la prison 0, là. Debout, debout. Oh, sort, qu'est-ce qui se passe? Papa, avoir trouvé votre partenaire idéal pour entraînement. Vous, venir voir. Un partenaire d'entraînement? Ou papa, attendre dans pleine. Vite, rejoindre papa. On va voir, hein. On va voir qui est ce mystérieux jeune homme. Ou dinosaure, j'imagine, parce que ça a été un dinosaure, 100%. Donc c'est ça la capsule des Saiyan, ça. Il est vraiment arrivé en putain de Saiyan, le grec. Oh, une pierre. Ah, elle va être éclatée encore, mais bon. Je suis trop curieux, moi. C'est mon défaut. Tu regardes Attack on Titan en animé. Ouais, je l'ai fini la saison 4, là. Enfin, fini la saison 4, la moitié, quoi. À présent, Aridon va devoir faire tout ce que Sor a fait. Ok. Moi aussi, je veux participer. C'est cringe un peu. Hein. Oh non, pas Victor, non, tu perds tout ton charisme. Sor, être impressionné. Vous apprendre très vite maintenant, tous ensemble. Ils font une danse TikTok. Eh, nouvelle danse TikTok, les gars. Faites percer. Faites percer. Allez, on va dire. Si j'ai. Vu qu'elle fait en moyenne 10 000 vues, je dirais si j'ai 3 000 plus bleus sur cette vidéo, je fais cette danse. Non, allez, 2 000, je suis gentil parce que je fais cette danse sur TikTok. J'ouvre un compte TikTok parce que j'en ai pas. Et je fais cette danse en première vidéo. Et je tiens ma parole. Si on a 2 000 likes, je le fais. Et c'est très humiliant en plus. Vallée des bêtes. Alors, oh, grande plaine, grande plaine. Mais il s'est humilié, Victor. T'as mis le jeton à Sol? Non, j'ai rien mis à Sol. Il a eu tout seul son esprit guerrier. Salut papa. Ou être partenaire d'entraînement. Axel, Axel Blaze. Oh non. Je voulais Axel Blaze, moi. Je voulais Axel. Mets-moi cette musique pour Axel. Putain, qu'est-ce qu'elle est bien cette musique quand même. Oh là là, mais c'est vraiment une masterclass cette musique avec Axel là, tornade de feu, tempête de feu. Incroyable. Dinosaure comme partenaire d'entraînement, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Papa, dire eux avoir observé vous jouer. Et après, eux s'être entraînés. Eux mettre plein vu vous. Quoi de mieux qu'un tyrannosaure pour vous apprendre à développer vitesse et puissance? Je pense que c'est une excellente idée. Très bien. Affronter le tyrannosaure. Et on aura beaucoup joué contre les dinosaures en vrai aujourd'hui. Hein.
Minute, moi aussi je veux tâter du ballon. Que... Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai une pêche d'enfer. Je pourrais soulever un troupeau de dinos. Il faut que je joue. Il y a des bruits de fond. T'as peur. Alors, Goldie, du coup, elle veut jouer. Je la mets à la place de... Putain, on va avoir que des défenseurs après, fait chier. Sors, il peut partir ou pas? Ok, c'est bon alors. Allez, c'est parti, match contre les dinos, les gars. Allez, je veux jouer. Je veux jouer. Allez, on part sur un direct de Pégase, les gars. On va l'arracher. Ah, les gars, par contre, là, vous avez vraiment l'esprit mal placé, hein. Ah, il faut que Goldie ait son power-up. Il faut un power-up. La meilleure défenseuse de l'équipe. En même temps, vous allez me dire, pas compliqué. Non. Oh, c'est bon. Pff, il m'a fait trop peur. Putain. Bouge. C'est ce que c'est, bouger des jambes. T'es pas paraplégique, putain. Oh. Casse les couilles. Wesh, Legender. T'as fini ton live 12h ou t'es encore en live? Oh, JP, il allait me faire une bêtise. Oh. Il a fallu que je le prenne avec la souris et que je le fasse glisser. Line Breach, vas-y Goldie. C'est parti. Voilà, deviens une vraie femme. T'as bien joué. Il est rentré. Hey, je veux des GG Goldie dans le chat. J'ai réussi pas mal, hein. Allez, tous GG Goldie. Hourra pour Moldy. Des GG Moldy plutôt. D'après Sœur, il faut dire Moldy. Voilà un esprit guerrier de toute beauté si je m'attendais à ça. Des GG Moldy dans le chat maintenant, je veux. On la rebaptise. Bye bye, merci. Pfiou, ça c'est de la séance d'entraînement. Sans toi, on n'aurait jamais pu la faire. Merci Sœur. Pas dire merci Sœur, dire merci papa. Et Goldie a réussi à invoquer son esprit guerrier. Décidément, on ne sera pas déplacé pour rien. Cible. Oh putain, lâche-nous. Il veut pas nous lâcher, gros. Putain, il a pas de vie, quoi, vraiment. T'as pas. Bah non, c'est un robot en même temps, donc. C'est la vallée des bêtes. Initialisation de la procédure d'aménagement. C'est dur à dire initialisation. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu vas avoir des problèmes, Férune. T'as pas honte de parler de ta daronne comme ça? On ne peut se contenter d'une simple partie de football cette fois-ci. Objectif, anéantissement total de Raymond. Initialisation de l'action. C'est l'heure de la revanche. Je vous signale qu'on s'est entraîné dur pour être au top. Espérez pas vous en tirer comme la dernière fois. Nous gagner, vous perdre. Toi comprendre? Au moins c'est clair, moi j'ai compris. C'est ça, on parle pas chinois ici. On parle le langage de Sœur. Et Sœur il a dit, nous gagner. Alors nous gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. On sauvegarde. Et je pense qu'on arrive au match final du chapitre, les gars. Et je la ressortirai, celle-là. Nous gagner, toi perdre. Toi comprendre. Je dirai ça la prochaine fois que je joue au foot. Allez, c'est parti.
T'as spoilé sans le vouloir? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi les gars? Ah oui merde. Ah oui c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont pas compris. Je pense qu'ils ont pas compris Ouais j'ai spoilé sans faire exprès ouais. Mais je pense que si tu comprends pas tu peux pas comprendre. Enfin c'est moi tu m'as compris. Alors du coup sort titulaire. Wan Li remplaçant. Voilà, c'est ça la nouvelle formation de l'équipe maintenant. Ça fait un quart. Ah putain, corps, le pauvre. On a du pain sur la planche, alors faites-moi plaisir de ne pas disparaître. Oui, lapin, je sais, excuse-moi. Elle en a marre, sa Gadji. Hein. Elle en peut plus. Je sais pas comment elle fait pour rester. Hein. Préviens-moi dès que c'est prêt. Oh, cette andouille n'a de nouveau pas écouté un traître mot de ce que je lui ai dit. Oh là 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 là. Un couple solide, hein. Waouh, j'ai la berlue ou quoi? Ah, maman, j'émince des calamars. Et l'instant d'après, je me retrouve au milieu des dinos. Quelqu'un a un croc contre moi? Raymond va tenter de rentrer dans la prise. J'aime trop quand il change d'attitude. Ayers, réduisez Raymond en chair à pâté. Instruction intégrée. Chair à pâté, il nous a dit. Alors, c'est lui chez Mergild. J'ai comme l'impression que son plus grand fan, c'est lui-même. Je me trompe? Point faible, trop fort. Ah, il veut être coach encore? Oh non. En fait, je sais pas si c'est lequel le running gag le pire de la série. Si c'est plus Wunderbar qui veut être tout le temps être coach et qu'à chaque fois il se fait tège. Ou alors Bouchon, il lui gâche sa vie. Je sais pas trop. Hein. Et gros, running gag sur running gag. Allez, c'est parti, les gars. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Lâchez votre plus beau like. On a 6 niveaux d'écart. On a 6 niveaux d'écart, putain. On va le tenter de gagner quand même, hein, ce match. Hein. Ça va être très chaud. Ah, ils ont une formation chelou. Il s'y connaît vraiment en stratégie, Gil. Toi perdre. Non, moi gagner, les gars. Le stade de la Roche Dure vibre d'impatience. Le coup d'envoi et de la revanche opposant Raymond à l'équipe Excellence est sur le point de retentir. Allez, scripté 100%. C'est toi, si vous rentrerez la queue entre les jambes, c'est moi qui vous le dis. Négatif, votre défaite est imminente. Oh putain, direct. Allez, laisse-moi un peu jouer, non? Esprit guerrier artificiel, ombre de plasma, activé, généré par Eldorado. Vos chances de victoire face à une équipe disposant d'esprit guerrier aussi sophistiqué avoisine le zéro absolu. Calme-toi. Oh là là, il y a faute. Bon, pas avec le dos de la cuillère, je commence à douter qu'on puisse retenir tête. Oh, elle lui a dit invoquer un esprit guerrier. Je suis déjà au maximum. Je pensais pas qu'elle allait le dire dès le début du match. Allez, hop. Mec, ça doit être trop satisfaisant d'avoir ça dans son équipe. Mais malheureusement, c'est toujours l'ordinateur qui l'a. Super, tu te coupes les cheveux. Non, t'abuses du bail. Je vais me les faire pousser, justement. Abandonné. Oh là là, en zéro déjà. Hein. Ça se trouve, on peut même pas gagner le match. Hein. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Allez, deuxième but. Comment on peut commencer un match aussi mal? Comment on peut commencer un match aussi mal? Putain, mais non, mais pas un troisième!
Ah, ça va. Putain, à la troisième, j'allais dire, c'est trop. Inutile de se soucier des conséquences des déviations historiques à cette époque. Exploitons toutes les opportunités. Ah, il y a un dino sur le terrain maintenant. Non, mais rien ne va. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien aujourd'hui? Regarde ses yeux, il a subi un lavage de cerveau. C'est trop injuste. Et mais en fait, Red Ark, c'est une... C'est un amour à côté, en fait. Le mec, il envoie des dinos sur nous. Oh. David contre Goliath, là. Hein. Je sais pas ce qu'il fout, Big. Il a pas vu qu'il y avait une différence de taille? Il veut nous aider. Tu as réussi, Big. Tu n'as pas baissé les bras alors que ta maman te manque tellement. Ah oui, c'est bien de faire le héros, mais après, va falloir assumer là. Et c'est comme si moi je me tape contre un mec qui fait du MMA. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et pour ça, j'ai besoin du concours d'un de mes plus courageux amis. En plus, c'est la barre de protection. Oh là, il va se passer une dinguerie. Hein. Alors j'invoque Esprit Guerrier. On a le Mixinax de Victor maintenant. Autant en profiter les gars. Et on va en profiter. Fais la passe. Oh, je commence à en avoir marre de ces joueurs. Ah, ils sont en train de me saouler. Hein. Font aucun effort. Putain, mais non. Oh putain. C'est catastrophique. On va se prendre un but hein. Ah, la vérité, j'ai envie d'abandonner le match. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Hein. C'est une honte. Allez, Victor, remonte-nous ça là. Mange-les-moi là. Tu vas me les manger là. J'aurais dû invoquer JP, j'avais pas le temps. J'avais plus la barre de chargement. Bon allez Victor, tu vas marquer ce but hein. Au fond. On le veut au fond. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire le jeu? Putain, il réduit ma valeur, c'est pas possible. Il fait beaucoup plus. Oh, s'il l'arrête, c'est une blague. Putain, quand même. Putain, va falloir qu'on remonte. Deux buts encore. Non, trois buts pour gagner du coup. Ça va être compliqué. Que tu n'utilises pas à son plein potentiel. Tu dois lever la tête et regarder vers l'avenir, comme Big. Je sais que tu peux invoquer une armure d'esprit guerrier. Qu'est-ce que tu attends? C'est le moment ou jamais. Mais d'où est-ce que tu tiens ça, Goldie? Qu'est-ce qui te retient, Faye? Qu'est-ce qui t'empêche de lutter? Je ne peux pas. Réponds. Pourquoi ne pas invoquer ton esprit guerrier? Pourquoi ne jouer que du bout des crampons? Elle s'emporte un peu trop, je trouve. Est-ce qu'il t'a donné à moi pour que je me sente moins seule? C'est à cause de mon esprit guerrier. Il me rappelle des souvenirs douloureux. L'invoquer rouvre de vieilles blessures que je veux oublier. Ouais, bah nous, on aimerait bien marquer des buts. Sir Lapin est un esprit guerrier si puissant et mignon à croquer par-dessus le marché. Comment peut-il te rendre malheureux? Goldie, comment sais-tu tout cela? Nous nous battons de tout notre cœur pour la victoire de l'équipe, Faye. Big, moi, tous autant que nous sommes. Elle va lui mettre une gifle, hein. Nous sommes tes amis, prêts à jouer jusqu'à notre dernier souffle pour protéger le football. Pour protéger le football?
Ça y est, tu commences à comprendre? Allez, Dinner, montre-nous de quoi tu es capable. Je... Mon esprit guerrier. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Tout le monde lutte de toutes ses forces et moi... Moi, j'y vais à reculons. Reçu 5 sur 5, Goldie. Comme Big et le reste de l'équipe, je vais me dresser face à ces affreux et ils ne seront pas déçus du voyage. À l'attaque! C'était le à l'attaque le moins convaincant de la Terre. Allez, Faye, fais-nous une dinguerie, là. Fais-nous une putain de dinguerie. Ouais, ça va trembler dans les chaumières. Oh, c'est beau. C'est du jamais vu. Et il pourrait faire forain, lui. Hein. Il a une voix de forain, un peu. Hein. Bravo, Faye. Tu as réussi à invoquer ton esprit guerrier. On est chaud, là. On est chaud, représente. Ta Big, il est on fire. Putain, trop fier de lui. Bien joué, Big. Tu l'as laissé sur place. Si je ne m'abuse, toutes les conditions sont réunies. Fais Big maintenant. Bon, bah ça part en ban hein, pour ceux qui a spoil. Hein. Ça part en ban def. Hein. Désolé, frérot, mais. Il y a un moment, fallait t'y tenir. Mixi Max réussi. Incroyable le Mixi Max en tout cas, les gars. Eh hey. SSJ Blue dinguerie. On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Je sais pas, en termes de design, c'est quoi le préféré entre le premier et le deuxième? C'est quel vous préférez, en bleu ou en rose, les gars? Enfin, en rose rouge. Je te jure, il a eu une évolution. Il a eu une évolution, Faye. Le potentiel a considérablement augmenté. Hélas, la route est encore longue avant de pouvoir prétendre nous mettre en difficulté. Parce que tu crois avoir tout vu, tu n'es pas au bout de tes surprises. Bon, Soufiane aussi, ça part en bas. Désolé pour toi, frérot, mais... Ok, Sylvain. On risque d'en baver, mais j'ai encore besoin de ton aide. C'est... Ah, par contre, là, l'armure elle va être incroyable, gros. Nom d'un boulet de canon en pleine lucarne, Vérune utilise son armure d'esprit guerrier. Tu as plus d'un tour dans ton sac, Faye. Tu ne nous avais jamais montré ton armure d'esprit guerrier. Ce n'était pas un secret. C'est juste que j'ai de bonnes raisons de ne pas vouloir utiliser mon esprit guerrier. Ne t'en fais pas, Faye. Plus question de perdre maintenant. En tant que capitaine, je m'engage à nous sortir de ce pétrin. C'est vrai qu'on t'a pas trop entendu en tant que capitaine. Ouais les gars, faut que je fasse gaffe aux commentaires. Mais c'est vrai que les modos, j'en ai supprimé pas mal. J'en ai supprimé pas mal il y a pas longtemps et j'ai pas refait une élection de modos sur YouTube. Faudrait que je revoie ça, je pense. Allez Faye. Oh merde. Bon, c'est pas grave, on va lui rouler dessus. J'invoque JP au cas où quand même. Et il a du flow. Hein. Pour moi, il a un flow stratosphérique comme ça. Autant son esprit guerrier, il est pas ouf à Faye. Mais son armure, par contre, elle est incroyable. Elle est dinguerie. Hein. Masterclass. Et la technique. Allez, ça dégage. Ça dégage, c'est plié. Allez, ça dégage. C'est ça. 3-2. 3-2, on va remonter. Il est devenu trop fort hein. But, Faerun a décroché une frappe de toute beauté dans les filets de l'équipe excellence. C'est pas le moment de les arder les gars. Cool cool tout ça les gars. On a le duo d'attaquants. C'est qui votre préféré entre Victor Armure et Faye Armure? Oh, ils sont là les deux hein. Les deux monstres. Il
Ouais, Victor a plus de flow. Faye, Victor. Je sais pas, ils sont tous les deux très stylés. Hein. Peut-être Victor quand même, parce que. Je sais pas, c'est Victor, wesh. C'est Victor, c'est le GOAT. Après, Faye est incroyable aussi. Eh, par contre, il me malmène là. Ah, je suis un objet dans le match. Je suis un putain d'objet. Oh. Je suis un être humain avant tout. Je suis pas un bout de viande. Hein. Allez, Faye. Oh là là, la percée dans la défense. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Armure, le gardien, il va faire quoi? Il fait rien? Allez, but. 3-3, les gars. On peut le gagner, hein. Je pensais que ça allait être compliqué au début, mais là, du coup, c'est que la mi-temps 1, on peut le gagner. En plus, j'ai un Ken Miximax de JP là. Et maintenant, notre équipe, elle est trop forte. On a 8 Miximax. On pense au frérot Zulan qui est toujours en tôle. Ah non, justement, on pense pas à lui. Il mérite et qu'il y reste. Mes techniques de dribble à Victor. On verra dans la XP recrutement si on pourra apprendre des techniques. D'ailleurs, je compterai sur vous pour m'aider à recruter des joueurs et à faire une bonne équipe. Oh putain. Allez, Arion, t'es nul. Allez, Victor. Putain, il faut des critiques. Oh. Voilà, Faye. Apprends-le à jouer au foot. Putain, il a pas voulu me laisser l'action. C'est chaud, hein. C'est niveau d'écart quand même. Waouh, ça a être meilleur match de football jamais vu. Papa, toi et mes matchs aussi. Oh oh, une telle occasion de Miximax ne se refuse pas. Hein? Oh, direct. Oh, ce cowboy, Wunderbar. C'est une malle cowboy. Miximax réussi. Il est bizarre son Miximax, hein. Sors, je trouve ils auraient pu lui faire un meilleur Miximax, les gars. Là c'est un Miximax, t'as peur. Il me fait peur maintenant, sort. Attends, mais du coup ça fait que j'ai 4 Miximax sur le terrain. J'ai 4 Miximax. Ah non, ils ont enlevé Victor. Du coup ils ont dit Victor, on t'enlève. Putain, ils l'ont enlevé. Mode entraînement ou mode normal. Instructons intégré, changement de mode activé. Paramètres de compétences augmentés. Quoi, vous voulez dire que vous ne donnez pas à fond? Si vous donnez à fond, voulez-vous dire jouer à son plein potentiel? Alors la réponse est non. Nous avons adapté notre niveau au vôtre. Et nous n'avons maintenant revu ce paramètre, ok. Oh non, non, mais c'est abusé, mais c'est abusé. Il fait une frappe normale, hein. 59, hein. 59. Et là, ça passe à 600 maintenant, mais non, mais c'est une blague. But. Objectif atteint. Ils sont trop forts, on dirait qu'on ne peut rien faire. Oh les cœurs, les amis, il faut relever la tête. Si nous les laissons désorganiser, nous sommes perdus. Nous devons tenir nos positions. Putain, si Sol, il pouvait avoir son armure là, c'est quand? Bien parlé, Sol. Tu n'as pas été capitaine du collège universel pour rien. Je ne t'arrive pas à la cheville. C'est vrai.
C'est vrai. On peut pas dire que c'est faux, hein, les gars. On va pas dire, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai. On a quoi comme Mixi Max? On peut plus. Putain, je voulais invoquer Sol en plus. Moi ouais, j'ai Tatsuki les gars, mais il est remplaçant. Oh là, il court tellement vite, c'est des Saiyan sur le terrain, gros. Putain. Oh, oh Victor, tu m'as régalé. Oh, je pensais pas qu'il allait le faire, mais il l'a fait, ce roi malade. Arion, fais vite, vite, vite. Bouge ton fion. Ok. Fais la passe à droite. Oh merde, il a vaincu, je l'avais pas vu. Oh, vas-y, on lui enlève son esprit guerrier comme ça au moins. Putain, je peux rien faire dans ce match, il est trop scripté. Il est beaucoup trop scripté le match. Ouais, c'est même pas, c'est trop, c'est même pas mon équipe qui est trop éclatée au sol, tu vois. C'est juste le match, il est beaucoup trop scripté. Ils mettent 3 buts scriptés sur les 4. On va le fatiguer au moins leur goal. Ouais, il est un peu long le chapitre, j'avoue, aujourd'hui. Il est un petit peu long. Voilà, numéro 10. Ah, je sais pas quoi faire du coup en fait. Du coup, je sais plus trop quoi faire là. Et normalement, là, j'aurais dû mettre au moins 5 buts là. J'aurais dû mettre au moins 5 buts. Allez. À trouver tes pires adversaires pour le moment. Ils sont très forts, mais il est trop tard pour reculer. Oh! Oh oui. Je dois devenir plus fort, plus rapide, plus précis. Apollon, dieu du soleil. Oh, c'est maintenant, c'est l'armure, les gars. Putain, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je l'attendais tellement, son armure. Ça, maintenant, il va devenir le meilleur joueur de l'équipe. Hein. 100%, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il a le meilleur Miximax et les meilleurs esprits guerriers. En plus, on en a deux. Incroyable. Allez, Mixi Max. Regardez-le. Regardez-le, les gars. Voilà pourquoi il fallait prendre Sol. J'avoue, ça part loin en ce moment. Oh, la vitesse. Oh, la vitesse, elle est abusée. Le joueur le plus rapide, le plus puissant, le plus béjax de la terre. Sol, mais t'es tellement le boss de l'équipe. Vas-y, éclate-le, The Goal. Allez, ça dégage. Allez, hop. Dans les cages, mon pote. Bah Long, il est incroyable, c'est vrai aussi. Il est rentré. Ah du coup, il y a match nul. Comment ils se sont mobilisés? Ajax, je viens de recevoir un communiqué important du président Totsfort. Battez en retraite, je répète, battez en retraite. Bien reçu. Nous revenons au quartier général pour recevoir les nouvelles instructions. Putain, j'aurais pu gagner, du coup j'ai fait match nul. Qu'est-ce que... Tout ça parce que je me suis pris un but. 4-4. Ah merde. Mais du coup ça va, c'était dans le scénario donc c'est bon. Normalement j'arrête vers quelle heure? Normalement c'est 20h les gars. Donc là on va pas tarder à arrêter. Ça va bientôt se finir de toute façon. On dirait qu'on les a mis en déroute. Mais j'ai un mauvais pressentiment. On n'a rien mis en déroute du tout.
Ils nous voient plutôt comme des moustiques qui n'ont pas eu le temps d'écraser. Mais nous avons relevé le défi, nous pouvons être fiers de nous. Absolument, nous avons tenu tête à la meilleure équipe d'Eldorado. Nous avons fait du bon travail. Comme quoi, rien n'est impossible si on s'entraîne suffisamment. Nous pouvons sauver le football et le coach Evans. Tu as raison, enfin j'espère. Ah, moi je vous le dis, mon top 3 de la star de ce let's play pour l'instant c'est Sol en 1. Sol en 1, il a tout fait dans l'équipe. Hein. Sol en 1. Victor, non, je le mets pas en 2. Parce qu'il a fait beaucoup de trucs ratés. Je mettrais peut-être en 2. Déjà, JP, c'est clarinet, je le mets pas. En 2, peut-être je mettrais Faye. Et en 3. Ricardo. Non, Ricardo en 2 et en 3, Faye. Voilà. Famille, c'est quoi votre top le chat du let's play pour l'instant? C'est génial, Sor, tu te rends compte? Tu peux enfin rentrer à la maison et retrouver ta famille. Sor, désolé, Sor pas pouvoir retrouver sa famille. Sor aimait vivre ici. Sor déjà avoir famille. Il n'a pas tout à fait tort. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que la vie est plus belle à notre époque qu'ici? Je vais tout expliquer à ta famille. Tu pourras les rencontrer quand tu jugeras le moment est venu. Merci professeur, toi être gentil avec Sor, merci. Avec plaisir mon garçon. Un seul de Ricardo 3, Victor. En fait Victor je le mets pas parce qu'il a pas été sensationnel. Sor retrouver de nouveaux amis très rigolos. Sor envie de crier. Grougonin, ok. Toi voir quoi Sor vouloir dire? Vraiment tu veux venir avec nous? Papa, Sor partir, mais Sor revenir bientôt. Et quand Sor revenir, Sor être très fort, fort comme papa. Allez. Il nous a donné un caillou ce bâtard. Eh bien il semble que ce jeune sort ne manque pas de détermination. On vient de faire un nouveau copain Arion. Et drôlement fort avec ça, c'est super. Oui je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec ce nouveau membre dans l'équipe. Bien il est temps de retourner dans le futur. Tous au transporteur temporel. Faye, Sol, Victor. Joue Eugène Wanli. Oulala. J'arrête de lire, c'est bon. Je ne lis pas ces conneries. Du coup, faut que j'aille dans la caravane directement. Mais on peut pas y aller directement. On est obligé de se taper le chemin à chaque fois. Attends. Si je vais là. Voilà, raccourci, c'est bien. Ah bah non, du coup, non. Ah bah ouais. Ah, fait chier. Bon bah les gars, on profite une dernière fois de Avatar. Hein. Profitez une dernière fois de ce paysage incroyable. Quand Sand va atteindre la puberté, je pense qu'il va regretter sa décision. Wonderbar n'empêche la star du let's play. Une star, mais une star qu'on voit pas beaucoup. Bon les gars, dès que je peux sauvegarder après, je pense que ça sera fini pour aujourd'hui. C'est l'heure de se dire au revoir, Big. Tu penses qu'il va savoir se débrouiller tout seul? Tu t'occupais de lui, non? Big, pas avoir problème. Quand sort voir Big combattre, sort comprendre Big, pouvoir défendre Big tout seul. Big devoir devenir fort comme Mama Boss. Big devoir devenir chef de vallée des bêtes. Ça... très important, toi comprendre? Big devoir devenir chef tout seul. Sor avoir compris ça quand Mama Boss être morte. Big avoir compris ça aussi. Big pas avoir. Je plains le doubleur de Sor. Big avoir aussi. Eh bah, plaignez-moi depuis tout à l'heure parce que je fais que lire ces dialogues. Peut-être, mais il vient de perdre sa mère. Il a besoin d'amis autour de lui, tu ne crois pas? Oh? Fait, on dirait son grand frère à Big. Big, allez bien. Maman partie. Je trouve Faye et Big. Avoir nouvel ami. Autant les autres Miximax sont complémentaires, hein, Ricardo Nobunaga, mais Faye et Big, il est ultra complémentaire hein, comme Miximax. Je t'ai bien observé, Big. Tu as fait de l'excellent travail. Je dois m'en aller maintenant.
Mais je ne m'inquiète pas pour toi. Tu deviendras un grand chef pour la vallée des bêtes. Il ne faut jamais baisser les bras. Merci. En vrai, le pauvre Big, il a perdu sa daronne, son pote. Ah, il a perdu tout le monde. Allez, au revoir, Big. Il nous dit au revoir. Et faut dire au revoir à Big dans le chat. Big, je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Big. Tout ira bien, tu verras. Et me fume les cris. Promesse. Laquelle? Celle de devenir grand et fort et de faire face aux obstacles qui se dresseront. Pour autant que je adieu Big. Dinosaure, en tout cas. Ah ouais. Et ouais Big, il va devenir le boss. Allez, de la vallée des bêtes. Je vous ramène à la maison. Saut temporel. Et bien pas mal ce petit chapitre, hein. Vraiment bien, ça fait partie d'un de mes préférés même. Je saurais pas dire lequel, mais franchement il est pas loin de celui de Nobunaga, hein. Franchement. C'est quel votre chapitre préféré maintenant, le chat? Nouveau logiciel installé. Nouvelle compétence débloquée. Préparons pour le match suivant. Voilà qui tombe à pic. À l'heure qu'il est, le quartier général d'Eldorado essuie une attaque de la génération de la seconde phase. Vous êtes notre dernier espoir. Bien reçu. Nous allons déployer notre potentiel maximal. Et ils sont attaqués et tout. Celui-là? En même temps, tu t'appelles Férune. Tu vas pas me dire. Tu vas pas dire autre chose. Vous êtes cerné, Tots Force. Oula, ça devient intéressant là. Monsieur, c'est Simeo Ape, le meneur de la génération de la seconde phase. Tiens, vous me reconnaissez, papy. Je suis censé être flatté. Engager des enfants dans une guerre contre le reste du monde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde. Vraiment, l'ancêtre? Vous n'avez aucun respect pour les personnages, lui. Comme vous dites. Le football est à l'origine de notre mutation. Donc vous essayez de le faire disparaître de l'histoire, c'est bien ça? Donc voilà, on commence à comprendre, les gars. Si je peux me permettre, l'ancêtre, ça va devenir très intéressant. Notre âge n'a rien à voir dans l'équation. À partir de maintenant, nous en reviendrons aux lois de la nature. Les forts survivront. Quant aux faibles, qu'ils périssent. Président Tots Force, désolé de vous avoir l'arrogance fait du gars. Attendre. Je te jure, Tots Force, il se pisse dessus. Hein? Très, très, très intéressant. Collège Rayman de nos jours. Tu voulais me parler, Faye? Qui es-tu, Goldie? Qui es-tu vraiment? Personne n'était au courant pour mon esprit guerrier. Personne. Et toi, tu savais tout. Comment ça se fait? Tiens. Travailler d'arrache-pied pour invoquer un esprit guerrier et ne jamais s'en servir. Je te croyais plus malin, mon vieux. Réponds! Ne brûle pas les étapes, Faye. Tout ira bien, tu verras. Oh, réponds! Goldie, attends! Toujours tourner autour qui du pot. Qui es-tu, Goldie Lemon? Elle veut pas répondre, hein. La minute football d'Arion. C'est dangereux, ça. Aïe, 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 au revoir, Big, hein, les gars. Au revoir. Enfin, il m'aura marqué, ce chapitre. Hein. C'est mon deuxième préféré, je pense. En 1, Nobunaga. En 2, celui-là. En 3, celui de... celui de Sol et tout. Dans le... ah, les trois royaumes. Bien entendu, ces bonus de points n'ont aucune utilité si vos PE et PG sont déjà au maximum. Malheureusement, les circonstances vous obligeront parfois à faire des concessions. Sauvegarder les données. Ok, bon bah les gars, on va s'arrêter là. On s'arrête là les gars, on reprendra la prochaine fois parce que là il est déjà assez tard. Normalement il y a un live XP recrutement mercredi qui se passera sur Twitch. On sera ensemble sur Twitch pour recruter des joueurs, pour s'entraîner un petit peu, pour essayer de choper des techniques, des équipements. Et puis sur ce, les gars, je vais vous laisser là. Je vais graille. J'espère que le live vous a plu. Je crois qu'il y a Alexandre dans le chat qui dit tout son amour sur le jeu. Et je le comprends parfaitement parce que c'est un excellent jeu.
Donc voilà les gars, merci d'être passés aujourd'hui à tous ceux du chat. Et je vous dis à très bientôt, notamment à demain, parce qu'il y a demain, il y aura une vidéo qui sortira où je réagirai sur l'annonce sur le jeu Inazuma Eleven Great Road. Voilà, à demain les gars, à la prochaine pour tout le monde. En plus, je suis en live demain. Donc voilà les gars, ça vous a plu, ça m'a plu. Tout est carré.